1er mai 2013, fête du travail à la primature. Moins d'un an après, ce jeudi, à la sortie de la séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien, le secrétaire de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire dresse un tableau quelque peu moins sombre. 50% des approches quelque peu réglées, mais il faut dire aussi que c'est à la pratique, donc sur le terrain. Et donc nous avons 43 ou 47% de problèmes à venir, donc de questions à revoir, des situations pour lesquelles nous avons besoin de nous accorder. Dans un climat social assez tendu, notamment sur les questions de santé et de cherté de la vie, Ebanré Joseph, qui s'est fait la voix de ses camarades syndicalistes, n'a pas manqué de saluer les avancées du gouvernement, mais aussi dénoncer certains problèmes qui restent à corriger. Par rapport au SMIC, vous avez conscience que là, nous avons passé l'étape. Nous sommes bien à 60 000. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de régler le problème des minima catégoriels. Maintenant, dans la pratique, c'est un appel qu'il faut pouvoir lancer, bien sûr, aux employeurs, mais demander un appui avec un engagement politique de l'ensemble de nos dirigeants. Savoir qu'il y a une réalité, c'est celle de la cherté, donc nous permettre, nous, de pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Conscient de l'importance des tâches à réaliser, le ministre Dosso Moussa a clairement indiqué que le gouvernement avait pleine conscience de la nécessité de mettre les bouchées doubles en vue d'assurer le bien-être des populations. Les choses avancent bien. C'est vrai que tout n'est pas encore réglé. Mais sachez que la majorité des préoccupations qui ont été posées par nos amis des différents syndicats ont trouvé des solutions. Soulignons que cette rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales devait se tenir en novembre 2013. Le deuil ayant frappé l'UGTCI ne l'ayant permis à cette période, c'est en ce mois d'avril, à quelques 2 semaines de la célébration de la fête du travail, qu'elle se tient.